Mesdames et messieurs, bonjour. Nous interrompons tout de suite nos programmes pour retrouver en direct la conférence de presse de Jean-Marie Bizard, spécialiste en théorie des complots. Avec Mathieu, on remet pas en cause la version officielle des journalistes, hein, non, là, là, hein. Non, c'est juste qu'on trouve quelques éléments troublants. Mathieu, fille, va voir chez du grand CGT. Est-ce qu'on est obligé de croire à la version officielle des journaleux, hein? Ou bien est-ce qu'il faut faire confiance à la commission d'enquête du gouvernement? Parce que c'est quand même des ministres, hein, les gars. C'est pas des merdes, hein. Et tout particulièrement aux synthèses éclairées de Jean Lefebvre. Bon, alors, épisode 1. Alors, moi, je trouve ça, par exemple, troublant, hein, que sur le meeting de l'UMP, qui est quand même, il faut savoir, le meeting le plus surveillé au monde, hein, tu vois, il y a quand même 86 caméras hein, partout, là, tu te promènes, ils te filment même le trou du cul, là-bas, hein, tu sais, et ben, on a retrouvé les images que d'une seule caméra, hein, avec un seul arabe, hein, et un seul ministre qui fait une seule blagounette, soi-disant raciste, je sais pas vous, mais... Moi, je trouve ça troublant. Bah, c'est comme pour Besson. Ah, Besson, c'est quand même un gars, il faut savoir qu'il se promène jamais sans une caméra, hein, le gars. Puis tout d'un coup, ah ouais, il se rend pas compte qu'il est dans le cadre, hein, le con, hein. Et puis, oh, bah, tiens, j'ai un doigt. Oh, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire dans mon doigt? Bah, je vais pas tout de suite me le mettre dans le cul, hein. Ah, je vais faire un petit doigt d'honneur à Canal+, tiens. Comme ça, pour me détendre, hein. Déjà qu'il m'adore, hein. Je te rappelle quand même que le gars, c'est un ministre, hein. Alors il se comporterait comme une raquette de banlieue, le gars. Ce serait ça, l'identité nationale. Ah ben, ça y est, t'es revenu, tu m'as pas trouvé. T'as rien d'autre à foutre, toi non plus, hein. Tu t'as pas un film à aller tourner. Bon, allez, file chez Ruquier, voir si j'y suis. Il est gentil, hein, mais il est trop con, hein. Ah ben les gens ils aiment bien les pecs, ça les fait toujours rigoler. Ça pue non?